Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vous ai pas fait hier parce que j'avais plus de batterie. Je pouvais pas faire la troisième vidéo. Donc c'est des emplois de Amazon. Alors là ils ont mis une grande boîte, oui. Juste pour un petit truc. Enfin, oui. Un tout petit truc. Donc j'ai juste enlevé. Regardez déjà. Donc c'est des bagues. Pas pour mettre, hein, parce que j'en mets pas une. Enfin, c'est rare. C'est la marque Panda Hall Elite. Oui, c'est comme ça. Donc j'ai ouvert juste hier pour voir un petit peu ce qui se trouve minuscule. Sur le site, c'est pas assez plus grand. On l'ouvre comme ça. Et on a... Alors, la boîte est trop cool. On a les bagues comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris les bagues. Hop. Sauf que ça paraissait plus grand. Vous voyez, c'est minuscule. Je le voyais plus rond. Donc apparemment, voilà, on va dire, hop, faut pas des gros doigts, hein. Voilà. Oui, hop, ils sont jolis comme ça. Hein. Ah bah, attendez. Voilà. Et donc moi, j'ai vu sur une vidéo... la fille faisait des bagues et me collait des boutons. Donc, c'est ce que je vais faire, sauf que, vous voyez, il est tout petit, quoi. Il fait quoi? Quelques millimètres. Je le voyais plus grand sur la vidéo. Puis, c'est pas donné à une dizaine d'euros pour ça. Donc, ça m'embête un peu. Par contre, je sais plus combien il y en a. Il y en a un paquet. Je vais faire des bagues avec des boutons dessus. Je vous montrerai. Alors, on va remettre pour l'instant dans la boîte. Attendez, je vais même les sortir. Ce sera mieux. Un petit pochon, je le garde. Vous voyez, une fois que la boîte sera vide, elle va servir. Hop. Voilà. Et voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième, j'ai vu ça sur un live de coloriage. Donc ils appellent ça le Big Book of Color Chart. Donc, c'est pour faire tous les nuanciers. Enfin, tous. Beaucoup de nuanciers. Vous avez vu la... Les pages, elles sont magnifiques. C'est une tuerie. Là, on a vert. Big... Non, je le vois en vert. Enfin, vous le voyez en vert. Big Book of Color Chart. Et derrière, comme ça. Donc, il vous montre des exemples de... Par contre, tout est en anglais. Si vous ne lisez pas l'anglais, il faut prendre compte ça. C'est pour y a les trackers, organiser les listes de colos, choisir les combos de couleurs, garder tous les colos sur enfin, les trackers. Nuancer en même temps. Voilà, on va lire. Alors, je vous montre. Ah, il est énorme. Vous avez vu? Je crois que j'ai payé 12-13 euros un truc. Donc, il y a quelques pages qu'on peut les colorier. Par contre, faites pas au flacon d'alcool, tout ça. C'est le petit lapin qu'on a. Parce que c'est très fin. Papier. Un peu plus que le papier Amazon, mais il est très fin. Ensuite, on a. Message
de celle qui a fait le livre. Vous voyez, on peut colorier aussi. Je ne vais pas donner de qui ça vient. Alors, illustré et, comment on va dire ça, compilé, monté, on va dire, par Suzanne Carlson. Il y a des pages noires aussi. Alors, en fait, il faut faire tous les... Enfin, les nuanciers des crayons de couleur, principalement. Les plus connus. Les plus chers, surtout. Entre autres, il y a des polychromos, il y a des artisans, il y a des... Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était pour les prismes. Donc là, on a tous les listes de ce qu'il y a. Donc, vous avez les artisans, les Black Widow. Oui, car je vous en ai plus connus. Hein. Les Luminances, les Pablo, les Castle Art. Alors là, je ne connaissais pas les Chameleon Color Tont. Je ne savais pas qu'ils avaient fait des crayons de couleur. Les Derwent, les Fab, enfin, les Polychromos, les Holben, les Lyra, les Marco Raffini, les Prisma, les Spectrum, les Tombow. Il y a les crayons pastel aussi, les Carandache, Derwent, Faber-Castell. Les autres, je ne connais pas. Les encres aussi. Mais ça doit être des crayons plutôt. Il y a Tim Holt Distress Ink. Je ne sais pas s'il l'a fait en crayon ou en encre. Et ensuite, on a les crayons aquarellables. Donc, il y a Arteza, Carandache, Derwent, les Holbrecht Dürer. On a les marqueurs. Arteza, les Copix, les Faber-Castell, Spectrum, Tombow. Et ensuite, vous avez des trucs par couleur. J'essaie de traduire. Ouais, alors par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que à côté des marques, il y a des numéros. Je pensais que c'était les pages. Quand on regarde dedans, il n'y a pas de numéro de page. Donc, il va falloir que je note toutes les pages. Et il y en a, je ne sais pas combien. Donc, je vais passer du temps pour que je fasse le point sur mes crayons. Et il faut que je fasse tout mignon, ces crayons de couleur. Je ne peux pas les écrire en fait, juste qu'un coup. Alors ensuite on a l'index. Alors là je ne sais pas ce que c'est. Il y a le nom et la page. Ah oui d'accord. Donc c'est comme là, mais c'est vierge. Vous pouvez rajouter vos pages. Parce qu'à la fin vous verrez, il y a des... carré comme c'est oui pour faire les nuanciers, ils sont vierges, donc ça c'est cool parce que Luminance, Derwent, les artisans, ça j'ai pas les moyens. Donc ensuite on a pas pratique par contre l'introduction, c'est à dire le speech de l'eau illustratrice. Ensuite, c'est ce qu'on voit derrière, c'est les couleurs basiques. J'ai pas tout traduit encore. Les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, chaudes, froides, monochrome, complémentaires. Voilà. Donc, on peut faire hop, comme on a vu là. Vous pouvez le faire à votre sauce. Ensuite, il y a plusieurs feuilles comme ça de notes. Ça, c'est bien, c'est pareil.
si vous avez besoin de marquer vos combos de couleurs. Et là, si vous me disiez, il y a des pattes noires. Donc ça, c'est colorier au crayon, boy. Crayon de couleur. Pencil, c'est plutôt crayon de couleur. Donc, il est joli. Et ensuite, on a donc les combos de couleurs et les notes pour les artisans experts. Et donc, on a les artisans. Vous voyez, vous avez tous les noms, les numéros. Et vous faites pour un pied éthical, on va dire. Alors là, je ne sais pas combien de crayons il y a dans les artisans experts. Est-ce que ça commence hein? Attendez, c'est... Ouais, je crois qu'il y a 704. Je ne suis pas sûre soit le nombre de crayons. Je ne les connais pas. Donc, on a les artisans, les Black Widow, oui, j'en ai quelques-uns. Donc, en haut, c'est les couleurs claires et les couleurs foncées. Et en bas, c'est les trois boîtes qu'il y a, la cobra, la scorpion et l'araignée. J'en ai de Black Widow, je crois. Je ne sais pas lesquelles. Ça, c'est Monarch. Je ne connais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une autre boîte, apparemment. On fait tous vos nuancés comme ça. Après... Les notes, pareil. Ensuite, on a les... Alors, je connais pas du tout. Les Blick Studio. Jamais entendu parler. Quand je regarde beaucoup de chaînes de couleurs. Et je connais pas. Et là, nous avons... Ah, là, c'est mis juste les couleurs. Il n'y a pas de numéro dessus. Ensuite, les. C'est écrit bizarre. Les Brunzel Design. Je connais pas non plus. J'aurais dû vous dire, prenez un petit café parce qu'il est énorme ce bouquin. Les Carandas, donc les luminances. Quand on voit le prix, il vaut mieux prendre les Prismas. Moi, je les ai trouvés les vrais. Sur Tonton Ali, il y a 143. Il y a 10 euros, ce prêt pas. Les Caranda Luminants, je crois qu'ils sont à 200 euros. Ça fait... Je n'irai pas m'inscrire en décrit. Les Prismas, c'est mon rêve de les avoir, la grosse boîte. Donc, le mois prochain, normalement, c'est prévu. Et après, vous avez toujours une page, une note et les combos. Voilà. Pour chaque marque de prix. Donc ensuite, nous avons les Carandas Pablo. Attendez, je ne l'ai pas dit. Les autres. Yes. C'est pas dans l'ordre. Donc, il va de 001 à 801. Ils finissent par son... Ils sont pas dans l'ordre. Ouais, parce qu'ils ont rangé, en fait, par couleur. Voilà, c'est pour ça. Ça, c'est cool. J'ai pas regardé dans les autres. Parce que moi, au début, j'ai fait l'erreur, quand j'ai acheté les Bruce Fenner, de les ranger par numéro. J'aurais jamais dû. J'ai passé deux après-midi à faire ça. Et en fait, j'aurais pas dû... J'aurais dû les ranger, les laisser par couleur. Donc, j'ai oublié de les refaire. Les Cartesa, Arteza, pas Cartesa, Arteza, pas. Voilà, je sais pas trop. Non, ils sont pas par couleur. Donc, pas tous alors.
Donc ensuite, après le carrelage Pablo, donc toujours on finit pas la feuille pour faire les combos. Après on a un colo. Et joli. Le poisson. On a les castles. Ah, alors là, il y a juste des numéros, il n'y a pas de couleur. Hein? Et il y en a 84 couleurs. Attends, je vais essayer de vous mettre autrement. Oh. Le problème, c'est qu'il est porté le sac à chaque fois. Ça va pas être facile. Voilà, on essaye comme ça. Mon castle art. Là, on a les notes. Enfin, pareil, les combos. Celui-là. Ah non, il y a plus que ça. Les castle art, il y a 120. J'allais dire. Ensuite, on a les Cézanne. Je connais pas du tout. Je connais pas les Cézanne. Et là, j'ai mis par numéro, mais pas dans l'ordre. Après, on a les Chameleon Color Tones. Ouais, je regarde ce que c'est. Je sais pas, c'est comme les feutres pour faire des dégradés. Je ne sais même pas qu'il y avait. Donc, il n'y a pas énorme. Hein, de... Oui, il y a deux couleurs par crayon, en fait. Par exemple, vous avez le mocha et le café. Vous avez le rouge poivré, on va dire, et le watermelon. Mint et jade. Je vais aller voir ce que c'est. Ensuite, on a les Derwent Artistes. Alors là, c'est par numéro... Ça va jusqu'à 7200. Et je sais pas si on rangeait par couleur. Gold. Non, on ne sait pas. On a les Derwent Color Soft. Ça, je les ai vus dans une vidéo. Je sais plus comment on s'appelle. Je regarde tellement que je ne sais plus leur nom. Et là, ça commence par C, la lettre C, et après il y a un numéro. Donc il y a, ça va jusqu'à 720. Vous voyez, il y a toujours les petits colos. Là, pareil, en je crois qu'il faut voir et calme. Après, il y a des petites souris, donc ça, elle bof. Pas trop envie de courrier. Après, on a les Derwent Drawing. Crayon de couleur. Là, il n'y en a pas beaucoup. Je ne vais pas vous montrer tout parce que ça va durer 10 heures. On a les Derwent Lifefast. Je vais juste vous donner les Derwent Pro Color. Alors ça, je sais pas. Je crois que j'en ai vu dans une vidéo un truc. Ils sont pas donnés non plus. Et là, nous avons 72 couleurs. Les Derwent Studio. Il y a 72 aussi. Et il y a 12 métalliques. On a les... pour les chromos, hein. Faber-Castell 252 couleurs, les All Bent, là il y a ah ouais, alors ça commence à 0,11, non c'est pas dans l'ordre. Alors par contre ils ont mis, ah ça n'est pas trop suffisant. Ouais, dans ce sens-là, c'est pas pratique. Hein.
rose, corail, saumon. Non, saumon pas par couleur. Les olbens. Alors, celui-là, je connais pas. Les conos polycolores. Il y a un paquet de couleurs. Il y en a. Ah ouais, ils sont. Ils commencent à 1 et après il y a 500. Donc je sais pas si c'est pas couleur. On dirait, ouais, que c'est pas couleur. Donc ça, c'est pas mal. Encore faut-il les avoir. Les lyras, polycolores. Les macos raffinés. Macoronois. Les Mitsubishi Uni. Je ne sais pas. Les Prisma premiers. Et ils mettent et vérifient. Donc j'espère qu'il y a 150. Oh, mais il n'y a pas mis. C'est juste mis le numéro. Bleu. Oh, ils ne sont pas mis par couleur, mais par faire rouge. Ensuite, on a les. Farben. Alors là, je connais pas du tout. Les spectres noirs. Les essentiels. Ah, Monsieur Cooper se réveille. Les florales. Et je ne connais pas. Donc on a un colo. Encore. Il est joli. Ensuite, les Hirogitan, c'est nouveau apparemment, mais j'ai été voir 200 et quelques euros la boîte. Hein. Les Luminances et les Derwent Lifepad. Alors là, c'est pour faire les. Ouais. Là, ils ont mis les deux gammes, c'est pourquoi on sent. On voit. Les feuilles de notes, vous voyez, ils ont mis plusieurs. Même ça coupe. Et après, on a les crayons pastel. Ils ont mis une panne noire séparée. Alors, les carandages pastel. Vous voyez, c'est tout comme ça. Il y en a, c'est des ronds, d'autres des carrés. Ça c'est pareil. Les Stabilo Carbotello Pastel. Par contre, les. Ah, il y a les Conor. Jo. Voilà, c'est écrit un lettering bizarre. Joconda Soft Pastel. Je ne sais pas ce que c'est. Les Stabilo Carbotello Pastel. Ah, après, ouais, il y a les inks. Mais c'est des encres. Mais des encres là-dessus. Oula. Ouais, ça. Mais alors, comment vous voulez faire nuancier avec les encres, c'est tout petit. Hein. La pâte. Faire dans la case. Donc moi avec Tim Hoss, hein, connaît. Alors là, je connais pas. Les DRPH Martins. Ah, c'est pas le petit jeune à nouveau. J'ai commandé des mousses. On va faire des mousses magiques. Sinon, c'est pas lui. Alors, les distress. Ink, il y a 62 couleurs. Donc ensuite on a un colo pour moi. Aussi le jaune, c'est pas mal. On a des feuilles de notes avec les encres. Les crayons watercolor. On a les Arteza watercolor. Arteza expert. Donc là. Il y a 404 couleurs. Non, ce ne sont pas.
sont pas numérotés dans l'ordre non plus. Et par contre, non, pas par couleur non plus. À chaque fois, vous voyez, hop, il y a une panoie. Là, on a une tortue. Les Brunzel Design, pas non plus. Les Carandache Museum, non plus. Là, on a deux couleurs. J'aurais pas à les faire. Les Carandache, ça m'intéresse. Les Néocolor 2. J'ai pas la grande boîte non plus. Un jour, j'ai une petite boîte. Une boîte de 40 jours. Je crois qu'il y a une boîte du pont. Les Carandache Supracolor. Là, ils sont par numéro 499 couleurs. Waouh! C'est pas possible. Non, ils sont pas par couleur, par numéro. Ben, il y a deux pages en tout cas. Les Derwent Graphitine. Les Derwent Intense. Voilà, ce sont les encres. Les Derwent Watercolor, les Albrecht Dürer, tu vois, j'ai regardé aussi, ils ne sont pas donnés du tout. Donc à chaque fois, vous voyez, hein, je montre toujours le principe, hein. Vous avez le petit carré pour faire le nuancier, le numéro de la couleur et le nom de la couleur. Donc, il va falloir que je note quand j'ai toutes les pages en bas. Et ce que je vais faire, quand je fais des marque-pages au crayon, les nuanciers, les marques, si des marques de crayon qui m'intéressent, je mettrai un marque-page. Sinon, ça m'évitera de chercher à chaque fois. Vous voyez, comme ça. Donc, j'ai du boulot avec ça. D'abord, il faut que je remette, j'ai commencé. Mais 280, je crois que c'est 200. Je ne sais même plus combien j'en ai. Alors là, attendez, j'ai un trou. Les bouts de fumeur. Donc j'ai les pastels aussi à ranger. Donc je n'ai pas encore fait. Je n'avais pas fait de nuancier, mais comme ça. Ils sont pas dedans, mais quand je vous dis à la fin, il y a des nuanciers vierges, je les ferai à la fin. Donc, alors, on a les notes, un colo, un coq, les marqueurs. En fait, les pas noirs, souvent, c'est pour séparer les différentes. Arteza, Reel, Brush Pen. Oui, des fois c'est des carrés, des fois c'est des ronds, des fois c'est des rectangles. Ensuite, on a l'EcoPix marqueur. Alors, je n'irai pas faire la dent sur ce papier. Ça va traverser. L'EcoPix, j'aime pas ces crayons. Alors, il y a pas mal de crayons d'ailleurs. Dans les bleus, il y en a une dizaine, les violets, rouge-violet. Alors, rouge-violet, il vous sort du rose. C'est un problème. Ensuite, ça c'est tout. L'EcoPix, par couleur. Il y a un paquet. Je sais pas, je suis à 5-6 pas déjà. Et les fluorescents aussi. Couleur terre. Des œufs de je sais pas quoi. Mais c'est bizarre. Là. Toujours EcoPix. Oui, il y a au moins 8 pages. Les Faber-Castell Pit Pen. J'en ai quelques-uns aussi, des feutres. Là, on est plutôt dans les feutres.
Spectrum Noir Illustrator. Ouais, vache, il y a 216 couleurs. Enfin, ils sont peut-être pas tous là, mais c'est marqué en haut qu'il existe 216 couleurs. Mais ils sont pas dans l'ordre. Mais ils sont peut-être tous là parce que. Ouais. Je sais que pas rejouer. Les tombeaux dual brush paint. J'en ai quelques-uns d'action, mais c'est des feutres. Je ferais peut-être nuancer histoire de. On n'est pas énorme. Ensuite, on a encore un colo. Tout. Les notes. Alors, les blancs colors. Parce que c'est blanc. Attendez. Ah oui, c'est les trucs vierges. Les blancs chartes sont divisés en deux sections. La première, c'est la collection du chart par couleur, par famille de couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, marron et noir et blanc. Je ne vais pas tout vous traduire parce que ça va être long. Par contre, je vais aller voir la deuxième section. Mais il parle deux sections, mais il ne dit pas ce que c'est la deuxième. Ça, j'ai pas tout à fait compris ce que c'était. Donc, il y a par couleur. Il y a juste marqué rouge. Donc, il y a plusieurs pages. Rouge. Là, on a les oranges. Les jaunes. On a toutes les couleurs que je vous ai données. Ils sont tous là. Les blancs. Bah, ils ont fait du noir. Ça, c'est une bonne idée. Comment on les voit pas. Bah, les blancs, après, il n'y en a pas. Il n'y en a pas énorme. Les blancs, je ne sais pas ce que c'est blanc. Doit être des vierges. Donc, il y en a encore. Là, il y a juste des petits numéros. Là, c'est des carrés. Enfin, les rectangles. Et après, ils mettent des ronds. Donc, ça doit être des nuanciers vierges, je pense. Ouais. Vous voyez, un coup, il y a des grands, un coup, il y a des petits. Un coup, c'est comme ça. Ça m'intéresse. Alors, celui-là, on peut mettre sur les grands rectangles, 72 couleurs. Là, 54, mais vous voyez, c'est en noir. Là, après, c'est blanc. Carré, rectangle. Enfin, ils ont fait plein de formes différentes, oui. Là, c'est des ronds. Là, on a des carrés. Ce que je vous disais, à la fin, il y a plein de... Oula. Là, c'est des gros. Là, c'est 50 couleurs. On a les mêmes en noir. Donc ça, c'est bien pour avoir... Allez, comment... faire vos propres énonciés parce que tout le monde n'a pas les luminants, les carondages et toutes les marques que je connais pas. Là, pareil, 50 et c'est 0. J'avais commencé dans un petit, mais je sais pas, ça me convient pas. Là, je trouve que c'est mieux. Là, c'est 72 couleurs. Après, il y a un colo. Enfin, je ne mets pas dans l'autre sens. Et après, ça c'est quoi? Les livres additionnels pour... Oui, c'est des livres qu'elle a déjà fait. Là, il y en a quatre. Donc, il y a l'art journal. Je ne sais pas ce que c'est. C'est du art journal.
sur les insectes, sur l'océan. Ouais, c'est les trucs d'art journal. Donc, si vous voulez voir, je l'ai pris sur Amazon. C'est Big Book of Color Chart de Suzanne Carson. Mais rien que la couverture. Trop belle. Trop beau le lapin. Non, on voit. Mais trop. Donc, il y a. Je ne sais pas combien de pages. Il va falloir que je numérote toutes les pages. Non, ce que je vais faire, c'est juste numéroter les pages où il y a, pour les crayons, tout ce qui est notes. Donc, quoi que j'ai. Ah, si, j'ai oublié. Non. Vraiment, vous voyez là, on a les marques raffinées. Mettons, je vous donne un exemple, c'est la page 50. Logiquement, là, ça devrait être 51. Je ne le mettrai pas. Parce que ça ne sert à rien. C'est pas un nion aussi. Hop, je passerai derrière avec les marques au renoir. Et j'aurai la page. Et au début, il va falloir que je trouve un E-mètre. Voilà, là. Oui, l'index. Je mettrai mes propres pages. Parce que eux. Par exemple, les artisans experts, ils mettent 11-13. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'index suivant. Ah, d'accord. Non. En fait, là, c'est un exemple. Quoique. Attendez. Artisan, les premiers. Oui, tout ce qui est. En cas comme ça, je ne vais pas numéroter, ça sert à rien. Artisan expert. Voilà. Eux, ils mettent 11-13. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais moi, je vais faire avec la page vierge. Mon propre index. Par exemple, je mets un exemple là, j'ai les bruits de fumeur pastel. Je mettrai Brut Funeur Patel, page 50. Et hop, je mettrai des marque-pages en plus. Pas trop épais, hein, parce que les feuilles sont très fines. Et comme ça, je les mettrai là et hop, en haut, je mettrai 50 en plus. Comme ça, je saurai où ils vont les marque-pages. Je vais le faire comme ça. Donc, j'ai du boulot. Heureusement que j'ai pas des tonnes de crayons. En fait, j'ai les bruits de fenêtre, j'ai la grosse boîte, pas la plus grosse. J'ai la pastel, j'ai la boîte de Prisma, la 48 et une de 12, je crois. J'ai quelques, on va dire, d'en avoir 5-6 polychromos. J'avais pris pour essayer. Mais à l'époque, je ne connaissais pas, je ne faisais pas de colo. Mais j'ai trouvé belles les couleurs pour faire les. Coloriger les tamponnages. J'aime pas du tout. Moi, j'ai plein de crayons à base de cire. À base d'huile. Quoique ceux-là, ils sont. Mais. Ça va. Après. J'ai toujours le prix, hein. Oui, les luminances, vraiment, bah, 200 balles, c'est pas donné. Donc voilà, quoi. Vidéo, et encore, je voulais les raccourcir, hein, parce que pour moi, c'est hyper long. Hop. Donc voilà, c'était mon nuancier. J'ai vu sur un live de colo. Et bah, moi, je vous donne rendez-vous. Je vais avoir un colis, deux colis, qui sont, il y en a un qui est arrivé et l'autre qui arrive après. Comme c'est pas dans la même ville, mais dans le même magasin. Donc j'irai chercher cet après-midi et je vous ferai la vidéo dans la soirée pour vous montrer.
Il y a un colis. C'est Pauline. Ça y est, je commandais des friandises, on va dire. Elle arrête, donc j'ai pris le dernier colis et quelques petites choses. Et le mystère, c'est le deuxième colis qui est à Intermarché. Je ne sais pas de qui. J'ai une petite idée. Il y a une copine qui m'a dit peut-être que. Ah ouais, alors je suis pas au courant. Sinon, je sais pas. Il y a juste un numéro, il n'y a pas de nom. Donc il devrait arriver, ça ferait. Voilà, il y aura juste les deux petits. Enfin, je ferai une vidéo avec les deux coups. Pas des coups. Voilà, ben, je vous souhaite un bon week-end avec ce super soleil. Apparemment, il va faire chaud. Je regardais mon téléphone, la température. On n'a pas 30 degrés. Hein. Donc, déjà 25, c'est chaud. Voilà, on va passer un bon week-end. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.